Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente dans laquelle je vais vous expliquer comment composer des grilles de jazz modales. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer comment improviser sur ces grilles. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Je m'appelle Maxime, vous êtes bien sur la chaîne Modern Guitare. Surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais vous donner en plus une autre petite astuce pour améliorer vos improvisations. Alors avant de rentrer plus dans le détail de cette vidéo, je vous encourage à aller regarder la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue. Et on va s'intéresser ici au premier exemple de grille que j'ai donné donc dans la vidéo précédente. C'est un type de grille qui est construit sur un accord, une qualité d'accord, en l'occurrence ici ça va être un accord mineur 9, que l'on va ensuite transposer suivant un intervalle régulier de tierce mineure. Alors pour faire simple ici, on va se contenter juste de deux accords, qui vont être les suivants. On va avoir un Ré mineur 9. Et donc je vais garder cette qualité d'accord mineur 9 et je vais le transposer à un intervalle de tierce mineure au-dessus. Donc je vais me retrouver avec un accord de Fa mineur 9. Voilà, et donc mon backing track, il va osciller entre ces deux accords, Ré mineur 9 et Fa mineur 9. Alors je précise que si vous voulez télécharger le backing track que vous avez entendu en début de vidéo, eh bien, il vous suffit de suivre le lien qu'il y a en description. Ça vous emmène directement sur mon site où vous pourrez télécharger le fichier MP3. Et surtout, si le backing track vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous enregistrer, vous filmer en train d'improviser et faites-le moi savoir via les réseaux sociaux sur Facebook ou Instagram. Alors on a notre progression harmonique, donc Ré mineur 9 et Fa mineur 9, et là vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer sur ces deux accords? Alors avant toute chose, point important, que j'avais déjà précisé dans la vidéo précédente, c'est que ces deux accords ne sont liés entre eux par aucune tonalité. Donc pour chaque accord, je vais devoir changer de gamme. Alors on va rester très simple dans la gamme qu'on va utiliser ici, et on va jouer une gamme que vous connaissez tous, qui est la gamme pentatonique. Donc tout simplement, sur mon Ré mineur 9, je vais jouer Ré mineur pentatonique, et sur mon accord de Fa mineur 9, eh bien je vais jouer Fa mineur pentatonique. Alors vous connaissez sans doute plusieurs positions pour jouer ces gammes pentatoniques, et là je voudrais signaler l'erreur qu'il ne faut pas commettre quand on a comme ça une telle progression harmonique. Ça va être de simplement jouer toujours sur la même position, mais à chaque fois en la transposant suivant l'accord. Exemple, si je prends cette position de gamme pentatonique. Voilà, donc ça va aller sur mon accord de Ré mineur 9, Ré mineur pentatonique. Et là, au changement d'accord, on va sur Fa mineur 9, on va jouer Fa mineur pentatonique. Et là, le réflexe assez basique, eh bien ça va être de prendre cette même position de gamme, mais simplement la transposer sur Fa et de jouer ici. Mais ça, c'est pas tellement idéal. Pourquoi? Eh bien, parce que ça va vous couper en fait dans votre discours musical et vous allez avoir du mal à lier en fait les deux accords et à faire entendre le changement d'accord. Donc, le secret pour bien improviser sur ce type de grille, eh bien, ça va être de régionaliser, on va dire, votre improvisation en jouant ces deux gammes, Ré mineur pentatonique et Fa mineur pentatonique, eh bien, dans des positions différentes, mais qui vont rester dans la même zone du manche. Et pour visualiser ces zones et ces positions, eh bien on a un outil très puissant à notre disposition qui est le 12 Assistant. Eh bien je vais vous montrer dans le 12 comment l'utiliser pour visualiser ces positions. Alors je vous préviens tout de suite, vous n'êtes pas obligé d'avoir le 12 pour faire ça. Si vous avez déjà des schémas de gamme pentatonique et des positions de gamme pentatonique, eh bien vous pouvez les utiliser. En tout cas, le 12 Assistant, eh bien il est très bien, il est très bien conçu pour ça, donc pourquoi s'en priver? Et au passage, si vous ne connaissez pas le 12 Assistant, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien que vous avez en description pour le découvrir. Et au passage, je vous encourage vivement à aller vous abonner à la page YouTube du 12 Assistant. Alors nous voici maintenant dans le 12 Assistant et je vais vous montrer comment repérer les positions des deux gammes pentatoniques dont je vous ai parlé.
Alors, c'est très simple. On va aller déjà chercher notre gamme pentatonique. Donc, je vais ici sur la section penta. Et je descends dans le menu déroulant et je prends la penta mineure. J'arrive donc maintenant sur un diagramme de pentatonique mineure et je vais changer la fondamentale de ma penta, parce que ici vous voyez que ma fondamentale c'est Do. Alors moi je vais d'abord chercher ma penta de Ré. Donc je viens ici là, sur le côté et je choisis Ré. Voilà, j'ai donc maintenant ma pentatonique mineure sur Ré. Alors juste pour nous aider et pouvoir repérer plus facilement les notes communes que l'on aura entre la penta de Ré mineur et de Fa mineur, eh bien je vais venir ici changer l'affichage des notes sur le manche jusqu'à avoir eh bien, le nom des notes. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, on va essayer de régionaliser notre jeu sur le manche et donc on va rester dans une même zone du manche. Ici, la zone que je vais choisir, c'est celle qui correspond à la quatrième position de ma gamme de Ré mineur pentatonique. Donc avec le filtre par position, eh bien, j'ai choisi la quatrième position, et donc du coup, il n'y a que cette position qui s'affiche. Maintenant, ce que je vais faire avec les petites icônes qui sont situées sous le diagramme de manche, eh bien, je vais venir copier ici ce diagramme. Voilà, c'est copié. Et maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est d'afficher la gamme de Fa mineur pentatonique. Donc, je reviens ici sur le côté, choisir ma fondamentale. C'est un Fa, et j'ai donc ma gamme de Fa mineur pentatonique. Je retourne sur les petites icônes sous le diagramme de manche, et ici, je viens faire coller. Et vous allez voir que le 12 va me coller le diagramme de la gamme de Ré mineur pentatonique. Alors vous voyez qu'ici maintenant on a une petite disparité entre les positions qui s'affichent pour Fa mineur pentatonique et Ré mineur pentatonique. Moi je veux ma gamme de Fa mineur pentatonique à peu près dans la même zone que ce qui est affiché ici pour la penta sur Ré. Et bien je retourne dans le filtre par position et cette fois-ci ça va correspondre, cette zone-là du manche va correspondre à la troisième position de la gamme de Fa mineur pentatonique. Et maintenant j'ai tout ce qu'il me faut pour bien repérer ces deux positions sur le manche et les repérer plutôt facilement. En haut j'ai Fa mineur pentatonique, en bas j'ai Ré mineur pentatonique. Et ce qui est bien donc avec cet affichage où on a mis le nom des notes, et bien c'est que vous voyez tout de suite les notes communes à ces deux positions. Vous voyez par exemple que sur les cordes de Si et de Mi, et bien on va avoir le Do qui va être note commune. Et puis le Fa, ici en haut, qui est donc la fondamentale de Fa mineur pentatonique. Et en dessous, c'est la tierce mineure de Ré mineur pentatonique. Pareil sur les autres cordes. Donc maintenant, une fois que vous avez ça, je vous encourage à repérer les notes communes et pouvoir vous servir de ces notes comme de notes pivot pour aller d'une position à une autre. Et je vais vous montrer tout de suite un exemple d'improvisation en utilisant, en jouant sur ces positions-là. Voilà, donc maintenant vous voyez que eh bien, c'est beaucoup plus simple d'improviser et cette technique eh bien, de rester dans la même zone du manche, ça va vous permettre, comme je disais précédemment, d'avoir des transitions un peu plus fluides entre vos deux accords. Et surtout, faites bien attention aux notes communes que vous avez entre ces deux gammes. Ça, c'est justement très utile, c'est là-dessus que vous allez pouvoir baser, fonder votre improvisation. Exemple, on a le Fa qui est commun aux deux accords. Fa qui est tierce mineure de l'accord de Ré mineur 9 et qui devient fondamental de mon accord de
Fa mineur 9. Et dans les positions de gamme pentatonique qu'on a vues, eh bien je peux vraiment garder ce Fa, jouer autour de ce Fa, en décalant juste les autres notes. Donc par exemple, j'ai mon accord de Ré mineur 9, et je joue comme ça sur les cordes de Sol et de Si, donc sur la gamme de Ré mineur pentatonique. Là, je repère mon Fa qui se trouve ici. Et quand vient le changement d'accord, eh bien, je peux rester sur mon Fa. Et comme ça, ça me fait la transition avec l'autre gamme pentatonique. Donc maintenant sur Fa. Et après, je reviens toujours sur mon Fa qui redevient tierce mineure de Ré. Alors surtout, n'hésitez pas à faire la même chose sur d'autres endroits du manche avec d'autres positions de gamme. Alors pour terminer, la petite astuce de fin qui va en partie grandement améliorer vos improvisations. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez beaucoup de grands instrumentistes et notamment, vous pouvez l'entendre en écoutant Miles Davis ou John Coltrane, notamment sur Kind of Blue. On a un peu le même schéma de cris harmoniques, où on a un accord de Ré mineur 7 qui va ensuite sur un accord de Mi bémol 7. Et l'astuce qu'utilisent Coltrane et Miles Davis, eh bien ça va être d'anticiper le changement d'accord. C'est-à-dire que sur, on va dire, la dernière mesure, ou sur les deux derniers temps avant le changement d'accord. Donc ici, dans notre exemple, ça va être avant de passer sur le Fa mineur 7, ou alors avant de retourner sur le Ré mineur 7. Eh bien, on va anticiper la gamme qui arrive. C'est-à-dire que sur les derniers temps de mon Ré mineur 9, eh bien, je vais commencer à jouer Fa mineur pentatonique. Et vous allez voir qu'avec ça, eh bien, vous allez créer dans vos improvisations une sorte de directionnalité, c'est-à-dire que vous allez diriger votre discours musical vers un but, vers un point précis. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai eh bien, de la même manière comment improviser sur la deuxième grille que je vous ai montrée dans la vidéo précédente, une grille un peu plus compliquée où là on va utiliser plusieurs modes, mais toujours en gardant cet esprit de régionaliser votre improvisation sur le manche, de rester dans une même zone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors j'espère que ça vous aura plu, que ces techniques vous auront intéressé et que vous allez les mettre en œuvre. Je rappelle que vous pouvez télécharger le backing track de cette vidéo en suivant le lien qu'il y a dans la description. Et le but de ce backing track, eh bien, c'est que vous puissiez vous faire plaisir et improviser. Et donc ce qui me ferait plaisir moi, eh bien, ce serait de voir ce que vous faites sur ce backing track. Donc n'hésitez pas à vous filmer, à vous enregistrer et à me les envoyer via les réseaux sociaux, donc sur Facebook ou Instagram. Pour terminer, eh bien, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, faites-le, parce que ça m'aide grandement pour gagner en visibilité sur YouTube. Partagez les vidéos, commentez, allez faire un tour du côté du site internet moderneguitaronline.com et de la page Instagram Moderne Guitare. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.